Voilà, un petit P. Ça sent le citron confit. Oui, c'est ça, ça fouette. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une recette à la con. Oh, qu'elles sont belles, elles sont mûres, elles sont molles. C'est mes deux couilles. Juste avant de s'en payer une bonne tranche, je retire la peau. Alors je sais, hein, y en a certains et certaines d'entre vous qui se disent « Oh là là, j'ose pas y toucher, quel goût ça peut avoir ?» Mais je me suis avancé, j'ai niqué des gos toutes nues pendant 36 heures. Même si elles sont toutes nues, vous les avez reconnues, hein, ce sont Clémentine et Victoria, comme elles sont belles. Oh là là, vous allez dire que je me répète, mais Clémentine, c'est ma préférée. Elle a un petit cul que j'adore. Pour cela, j'ai léché Clémentine, sauf la poitrine, jusqu'à fin octobre, bien entendu. Mais Victoria, elle aime ça, la quéquette, bien pendue dans le fond du cul. Alors on y va, aujourd'hui, une recette simple, tomate au choca pique. Pour cela, des saveurs asiatiques, de la sauce soja, du saké. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez du saké. GPT, ça sent la protéine. Est-ce que vous me voyez venir? Oui, c'est ça. J'ai fait caca bien dur dans mon moule. Alors, qu'est-ce que ça donne? Nickel. Pour un peu, je me baignerai dedans. Un joli caca bien lisse, brillant. Il a des vertus antiseptiques. On va se régaler. Alors, je sais, hein, y en a certains et certaines d'entre vous qui se disent quel goût ça peut avoir. Donnez-lui une chance avec de l'huile de pépin. Une cuillère à soupe de coq. Petit clin d'œil à Pierre Patmas qui adore ça. Ça peut pas faire de mal. Un petit peu de sel, ça va te faire du bien, mon caca. Que serions-nous sans le caca? Vous êtes d'accord, il est bon marché, il est nourrissant, il est rassasiant. Et c'est parti pour une année entière de cuisson à couvert et à feu doux. Ah, ça sent déjà bon. Un joli canard de Barbarie que je colore avec du coin. Vous l'avez compris? Coin, coin. C'est nul! J'ai besoin du bouillon de couilles. Et je ne m'arrête pas en si bon chemin. Je vais dévêtir Clémentine. Je vous raconte ma vie aujourd'hui. Alors là, je n'ai plus qu'à filtrer le caca. Ce serait dommage de se priver de son parfum. J'ai besoin de 70 litres de pisse ou de l'eau minérale, comme vous voulez. Une année entière avec 15 000 euros chaque mois sur votre compte en banque. Ça vous intéresse? Ah oui! Ça tombe bien, je m'en bats les couilles. Et à bientôt.